1943. Et comme il le dit dans la chanson « Je suis né dans la rue », il s'appelle Jean-Philippe Smet, mais on le connaît mieux sous le nom de... Il a été le démon blond du rock'n'roll en France et il a donné envie d'avoir envie à toute une génération. Il s'est réinventé 100 fois et il a survécu à toutes les modes. Il a été twist, yé-yé, soulman, hippie, biker... Il a même été Hamlet et il a joué au cinéma pour Godard et Costa-Gavras. T'es encore plus belle qu'on t'envoie. Mais surtout, il n'a jamais cessé d'être Johnny, le gars pour qui on craque lorsqu'il sourit. Il a survécu à des accidents d'auto, des divorces, une tentative de suicide, une opération ratée, 180 tournées. Il a survécu à sa propre démesure et à toutes les caricatures. Il a enregistré 1000 chansons et les a toutes chantées avec cette voix fabuleuse qu'il a. Et il y a dans presque chacune un moment où il pousse la note et cette note-là... Oh là là, elle nous a. On ne l'a pas vu assez souvent au Québec pour que ça se sache comme ça devrait, mais il est depuis plus de 50 ans le plus grand showman de France et parfois même, certains soirs, le meilleur du monde entier. We'll be right back.
chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Moi je sais que tu n'as rien eu. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit. Voilà pour vous flanquer mieux qu'un couteau. Cours à ma gueule. Tu veux te la payer?
Merci beaucoup. Vive le Québec! C'est vrai, ça fait... C'est vrai que chaque fois que je suis venu au Québec, j'ai toujours eu un accueil formidable. Et vous serez sur les plaines! Vous serez sur les plaines le 10 juillet. Vous allez mettre le feu aux plaines. Ce sera la revanche de Montcalm avec Johnny Hallyday.